Nous savons qu'il nous reste encore un petit peu une dernière ligne droite avant de terminer notre année, les présidents, les gouverneurs, toi-même. Et nous allons mettre ce temps à profit pour essayer de continuer à remplir les quatre objectifs que tu as soulignés ce matin, qui sont ceux que notre président international John Kenny nous a fixés, la faim, la santé, l'alphabétisation et l'eau. Merci mon cher Jacques, et crois bien que tu seras toujours le bienvenu dans notre lycée. Nous avons tout fait, surtout moi du reste, pour te persuader que tu étais cette fois-ci dans un excellent district rotarien. Une simple question de modestie m'empêche de dire que nous sommes le meilleur district parmi les 18 districts rotariens, mais j'espère bien t'en avoir à peu près convaincu. Mais personnellement, je vois surtout dans une journée comme celle-ci une occasion de rencontre, une occasion d'échange, une occasion de discussion entre amis qui poursuivent un même but dans l'existence et que notre critère des quatre questions résume si bien. Vérité, loyauté, amitié, équité. Nous les connaissons tous. J'en aurai terminé en vous remerciant de votre participation, de votre présence, en vous souhaitant un très bon retour dans vos foyers et en espérant vous retrouver encore plus nombreux l'année prochaine, en 2011, pour notre 63e conférence du district. Mais là, ça ne sera plus mon affaire, mais celle de mon successeur, notre ami Singaravelu, gouverneur élu, et de son équipe, qui, j'en suis sûr, et nous y aideront, fera bien mieux que son prédécesseur. Et avant de terminer et de céder la parole à notre invité, mon cher Guy, je voudrais te dire que je ne suis pas roi des Belges, ça se saurait. Mais par contre, nous sommes un mouvement qui est apolitique, nous admettons dans nos rangs toutes les races, toutes les cultures, toutes les confessions. Mais quand même, pour un prêtre catholique marié à un musulman, on ne l'avait pas encore fait. Merci de nous avoir mis au pied du mur. Et enfin, tu faisais allusion à ton blouson tout à l'heure. Je ne sais s'il faut te comparer à un amiral ou tout simplement à un gouverneur rotarien. Nous aussi, nous avons nos pins. Aussi, je crois que ton blouson n'est pas suffisamment aéré et je vais me faire le plaisir d'y faire un petit trou supplémentaire en t'offrant, et je vais te demander de venir me trouver, le pins de notre année. Ce qu'il met.